won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode sur le Let's Play sur le jeu Mad Max. Ah là là, qu'est-ce que j'adore ce jeu, c'est franchement super cool. Donc je vous avais laissé la dernière fois, on était encore sur le tutoriel. Et donc là, on va faire, le, je pense, dans cet épisode, la fin du tutoriel. On avait récupéré le capot la dernière fois. Heyman! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Alors le harpon c'est un élément très important du jeu et aussi du film, hein. Si vous regardez le dernier, le Fury Road, le harpon c'est hyper important et c'est très utile pour harponner un peu tout et n'importe quoi. Tac, donc là on récupère de la ferraille. On a récupéré de la ferraille. Maintenant, il faut aller chercher la pointe, évidemment. Je sais que la pointe, il l'a mise dans son lit. Son lit qui est là-bas. Hop. On va récupérer la pointe. Le mec, il a quand même une pointe de harpon dans son lit. Je sais pas ce qu'il fait avec. Je veux pas savoir. Alors, on va rentrer. Got the jack tip. Toc, on va pouvoir installer le harpon. Le harpon basique. Ok. Alors, le harpon basique, c'est bon. Installation réussie. Et haut. Voilà. Et on va y mettre une calandre aussi. Alors, la calandre, c'est une structure à l'avant pour renforcer les dégâts contre les véhicules et les structures. Ça permet de défoncer en fait, c'est un truc pour défoncer. Voilà. Ok, donc là on est bon. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, effectivement, parce qu'on n'a pas débloqué. On n'a rien débloqué au niveau de du niveau de légende. And the magnum opus. All right, let's do it. Là, on va devoir aller chercher les pièces qui manquent. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Grammy could damage out front, but it should work. Alors là, ce sont des épouvantails. Raté, évidemment. Je l'ai pas eu assez de front. Bon, on va directement le descendre à coup de harpon. On va tirer avec le véhicule. Les épouvantails, en fait, faut les faire tomber. Si on les fait tomber, en fait, ça réduit la menace sur la zone. Faire tomber tous les épouvantails. Vous voyez là, on est à 5, on descend, on passe à 4 et demi. Et plus on réduit la menace, en fait, plus ça débloque des éléments. Mais ça sera dans les zones autres que celles du tutoriel. Je sais pas conduire. On peut les défoncer aussi normalement, voilà, hop. Ça se fait assez simplement. Un autre par là-bas. Là on va le faire au harpon étant donné que je peux pas passer. Et boum. Hop. Maintenant, il faut qu'on fasse une reconnaissance effectivement. Pour éviter de ne pas savoir à quoi s'attendre. On va monter là-haut, on va monter sur le promontoire. Ouh, la sortie de fou. La sortie de beau gosse. Alors, il y a un aboyeur, un tube lance-flammes et un sniper.
Alors le sniper, évidemment, vous savez ce que c'est, hein, ça tire de loin et ça peut repérer de loin. Le lance-flamme, ça empêche de passer sans cramer, donc il faut vraiment, vraiment passer très vite. Ensuite, il y a le l'aboyeur. Alors l'aboyeur, c'est un gugus en fait qui surveille une zone. Et si il utilise son tambour qu'il a en fait suffisamment longtemps, est-ce qu'on peut voir le tambour? Ouais, on peut voir qu'il y a un tambour. S'il utilise son tambour suffisamment longtemps, c'est-à-dire si on le tue pas le plus vite possible, les gens qui sont à côté passent en mode guerre. Le mode guerre, ils sont plus forts, ils sont plus rapides, ils sont plus puissants en fait. Du coup, il faut souvent éviter que les ennemis passent en mode guerre, sinon c'est un peu la galère. Je vais pas faire non plus le kéké, je vais passer par le côté plus long. C'est pas encore ça pour les dérapages. Donc on va s'occuper de la... du camp en fait. On va aller chercher nos pièces pour équiper la nitro sur le véhicule. Alors là, hop. Je me fais cramer. Donc là, il faut neutraliser le tube lance-flamme. Hop. Donc déjà, il faut que je tire avec le harpon. Donc il faut qu'il recharge le harpon, c'est un peu lent. Et ensuite, on va tirer sur la réserve de pétrole du lance-flamme, sinon on peut pas passer. Bon, ok, d'accord, il veut pas. Allez, tire. Ok, les défenses du périmètre ont été éliminées. Non, il faut défoncer la porte, tout simplement. Aïe, du coup j'ai un peu cassé la bagnole. Ok, donc là il faut que je rentre à pied, étant donné que je peux pas passer. Donc là on peut voir là où il y a un aboyeur. Il faudrait le descendre. Je suis trop loin, évidemment, j'ai perdu une munition pour rien. Oui, je sais. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Boum! Oula! Par contre, du coup, je me suis pris un coup. Au moins, ils passeront pas en mode guerre. Voilà. Aïe! Hey, oh! Prends des coups. Et boum! Voilà, ça c'est fait. Et ils ont tout pris de l'intercepteur. Ah, ça c'est ses affaires. Max, tu nous manques, reviens vite. Will I ever come back? Et ouais. Donc, allez, on rentre, on va chercher la pompe et à défoncer. Une tempête se lève. Aïe. Il y avait un surineur là, il a failli me suriner du coup au couteau. Il y a une tempête au loin là, on voit la tempête qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est beau! En même temps, j'ai envie de me mettre à l'abri là. Alors. Ah! Mal aux oreilles. C'est fort. Et des emblèmes de Scrotus à défoncer, ça fait des bonus, en fait c'est des objectifs bonus. Ok, c'est bon. Merde, c'est bon. On va continuer de passer par ici. Je regarde, c'est pas les trucs qui manquent. Voilà, c'est en pleine tempête. Waouh. C'est un peu la merde. On va vite rentrer, là il y a un bâtiment. Je vais voir ce qu'il y a en haut avant de descendre. Y'a rien. Ah ah, des munitions. C'est vrai que j'en avais plus, c'est cool. Pour recharger. Redescendre.
Et on va descendre au sous-sol. Ah, c'est mieux. Ça fait moins de bruit. Ça repose un peu les oreilles. Revoilà le Gugus. Il y a le Gugus qu'on avait vu au début. Qui m'a dit qu'on n'était pas prêt. Qu'est-ce qui apparaît ici? Il y a de la ferraille, c'est cool. On va passer par là. Il n'y a pas de carte, hein, donc se débrouiller. Là, ça descend. Les munitions, c'est cool. Ah, il y a un emblème de Scrotus, je peux pas l'atteindre à la main, donc on va tirer dessus. Ça c'est fait. Un peu de ferraille. Par contre là on en a plein dans le pétrole, il n'y a pas intérêt à ce qu'on fasse une étincelle, sinon c'était la mort assurée. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus d'eau dans ma gourde. Donc je viens de la droite, on va aller à gauche. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Oh. C'est mystérieux tout ça. Ok, on est à la pompe. L'objectif qu'on va faire. Ah, on a débloqué la fureur. Alors la fureur, c'est plus on tape, en fait, plus on tape fort. Pendant un court moment, si on arrive à maintenir notre jauge de fureur, évidemment. Je suis planté. Voilà, ça y est, je suis passé en mode fureur. Je fais quand même... Oula. Bon, faut pas que je me rappelle plus. Ouh. Aïe. C'est violent. En fait c'est la jauge en haut à droite qui font monter. Tiens viens là toi. Boum. Qu'est-ce que tu veux toi? Donc là ce qui est arrivé là, la jauge, c'est la jauge de défi. En fait c'est des jauges de défi. Il faut réaliser des défis un peu comme dans les Borderlands. Ce qui permet de monter des niveaux de légende. Et les niveaux de légende permettent de débloquer des améliorations pour Max. Je vais vous montrer. Je regarde un peu ce qu'il y a autour. Alors, la légende c'est ça, donc c'est tous les défis en fait. Tous les défis qu'on peut voir, hein, vous voyez. On a un bon paquet. Voilà, et ensuite il y a les niveaux de légende qu'on peut monter. Et à chaque fois on gagne des jetons de Griffa qui permettent d'améliorer les capacités. Vous voyez la longévité, tout ça, ça c'est des capacités qu'on peut améliorer à l'aide de jetons de Griffa. Et aussi, ces niveaux de légende permettent de débloquer des améliorations pour le garage et aussi des améliorations pour Max qu'on n'a pas encore débloqué. Alors, pour détruire les pompes à pétrole, je vais chercher un petit peu ce qu'il y a autour. Il y a un emblème de Scrotus. D'ailleurs, Scrotus, je ne sais pas du tout comment il fait pour être notre pire ennemi, étant donné qu'on lui a quand même foutu une tronçonneuse entre les deux yeux, enfin, un petit peu au-dessus. Je sais pas trop comment il fait pour être encore en vie. S'il est encore en vie. Enfin, tu vas me dire, c'est Mad Max. Hein. Les mecs qui sont encore en vie, on sait pas trop comment ils ont fait. Ok, donc faut faire exploser la pompe à pétrole à l'aide d'un jerrycan. Il n'y en a eu pas un de... Si, il y a des pièces de ferraille derrière. Faut pas que je les oublie. En fait, c'est pour les stats. Je vais vous montrer juste après. C'est un petit peu important pour 6 sur 10. J'ai dû en manquer quelques-uns, c'est pas très grave. Quand j'ai fait les emblèmes. Eh oh! Ça y est, la porte qui avait du mal à tomber. À faire exploser cette pompe. Si c'est pas beau ça, on dirait que c'est miniature. Avec la focale là, on a l'impression que c'est tout miniature. Et boum, pareil, 8 sur 10. Et il m'en manque 85%, j'ai pas fait 100%. C'est pas grave. Du coup en fait le... Ça réduit la menace sur le terrain. Ici il y a plus, de Scrotus. Ça passe à 0. C'est tranquille.
Toc. On va prendre la tyrolienne pour descendre plus vite. On va aller là-bas. There's something they stole before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Ok. Donc là, on va aller voir le mystérieux bonhomme qui nous disait viens voir, tu as l'air d'être prêt. On y va. Donc là, il nous file les fusées de détresse, ça nous permet de le rappeler s'il est parti en fait, s'il y a eu un problème. C'est une sorte de sifflet pour rappeler Epona si vous voulez. C'est pour rappeler ton canasson. Je sais pas pour vous, mais moi ça fait très très lumineux. Ah, there you are, Chifter of Sands, Letter of Blood, remnants of a ruined past. You say you seek the Plains of Silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight. An escape from all that is human, until one day, the Plains of Silence end, and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Ça y est, donc là on peut améliorer les capacités en fait de Max. On va augmenter. On va récupérer plus de ferraille. Parce que là vous allez voir, c'est indispensable. Récupérer plus de munitions, c'est cool. Et plus de points de santé, c'est cool, étant donné que je prends très très cher. Ok, donc pour obtenir des points de Griffa, parce que c'est le nom du monsieur, il faut simplement réaliser des défis. Enfin, simplement. Certains peuvent être plutôt compliqués. Allez, on retourne à Magnum Opus. Et évidemment, il s'est barré avec la bagnole. On va envoyer un signal de détresse avec deux. J'aime bien, c'est qu'on envoie un signal de détresse, je suppose que y a pas que lui qui vient non plus. Any trouble? I saw bad guys, sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes, yes, yes we do. Allez, c'est parti. Oh, we've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. On va installer la nitro là du menu garage, et ça c'est très très drôle parce que on n'a pas besoin de rentrer au garage pour installer des trucs. Du coup, on va mettre la nitro. Donc ça coûte 35 de ferraille, il m'en reste un bon paquet, donc c'est bon. Donc après tout le reste, il faut les débloquer en faisant soit des missions de l'histoire. Il y a plein de moteurs différents, V8, V6. C'est pas pour tout de suite. Et après, il faut des niveaux de légende en fait. Donc, la nitro. Alors, la nitro, c'est deux jauges blanches qu'il y a au-dessus du harpon là. Hop, on va aller ici pour tester la nitro. Et à chaque fois qu'on appuie sur espace, en fait, on a un boost. Oui. Bon, par contre, ça défonce un peu la bagnole. Et ça marche aussi pour détruire des véhicules.
Ça, c'est cool. Boum. Ah, je l'ai pas eu. Oh, il a plus rien, et oh. Voilà. Et bim, mission de l'histoire terminée. Je vais lui demander de réparer, j'ai juste récupéré la ferraille. Donc après, il y a différentes décharges sur le terrain. Ça y est, on a débloqué le menu de Max. Il y a différentes décharges sur le terrain, donc il y en a une juste là derrière, je vais aller la voir. Donc faut tirer sur le portail, le déplacer. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Stay put. Ah voilà, c'est pentu. Oula. Aouh. Le coup au corps à corps là, il m'a fait mal. Heureusement que je suis passé en mode fureur. Ouh. Ça devait faire bobo. Il m'a attaqué avec une arme au corps à corps. Ah ouais, donc ici il faut la barre à mine, donc il faut améliorer Max, et obtenant, j'ai obtenu son menu, donc je peux améliorer Max sous plein d'aspects. Je vais lui acheter le dernier outil qu'il faut, parce qu'évidemment on n'a pas la barre à mine. Voilà, ça m'a coûté 44 de ferraille, ça va. Ensuite on peut lui acheter pas mal de choses, que ce soit un blouson, bon là en l'occurrence ce que j'ai débloqué c'est pas de blouson du tout. Donc en mode torse poil, c'est un peu bof, du coup on va quand même lui laisser son blouson un peu merdique. Les protèges poignets, ben, ça il faut débloquer, on voit d'ailleurs le niveau de légende qu'il faut. Pareil pour les ceintures de munitions, il faut des niveaux de légende plus ou moins élevés. Et pareil pour la tête. Parasé, il a joué en bataille, oui, normal. Le fusil, idem. Et les compétences, c'est pareil, sauf qu'on en a quand même de débloquer au début. Ça coûte 25 et 50, soit 75 les deux. Moi j'ai envie de dire, c'est faire. Donc j'ai parade des armes au corps à corps débloquées et... Non, ça c'est celle-là, parade des armes au corps à corps. Et c'était quoi? Est-ce que j'ai débloqué? Finition enchaînée, ça c'est cool. Ok, donc là on est bon, on va pouvoir y aller et on va aussi pouvoir forcer l'ouverture. Et il faut que je martèle. Et bim. La ferraille. This means a whole lot this summer. Ah, une relique. Donc c'est bien, ça permet de faire des défis. Pas oublier d'explorer les décharges, c'est toujours utile. Vous voyez, hop, on est passé écraseur niveau 5, on a gagné un jeton de Griffa, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a une autre décharge pas loin d'après la carte. Elle est juste là. On va y aller. Oula, j'étais à l'arrêt, mec. Boum. Ah, le pétage de colonne vertébrale. Il est quand même vachement violent, Max. Hein. On sent que c'est quand même lui, Max le fou, quoi. Alors là, il y a l'arrière d'avoir rien. Ici. Toc. Décharge explorée à 100%. C'est bien. On va pouvoir rentrer. Et hop. On va pouvoir lui parler. Say, oh Saint, come and see. Come and see, oh Saint. Yes, she's with his hands and the blessings of the sacred Silenoi, she's come to life. My sweet angel, combustion. What did I tell you? V8, not V6. Yeah, exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief, a bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road-zipping with the gods. Hey,
Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. We need armor on my angel for that run. Yes, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... Scavengers! Get in the car! Wait! It's my tabernacle! C'était classe, c'était quand même super classe. Ok, donc là on va se repenser. Those boys are the crew of Stankum, Scrotus' deadliest underling. Ok, on les course. Oh, ça va vite. Ça va super vite. My tabernacle. Gone. All of it lost. We have the car. We need to go. You know a safe place? Somewhere okay. We can rebuild. Teat of the Great White, we can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. They're the best we can do. I don't think we have a choice, Zane. Ok, donc là on arrive, on est fini, on a sorti le... Ben, on a fini le tutoriel, what je vais y arriver. On est, ça y est, on est sur les premières parties du désert blanc. Et l'objectif, c'est d'aller à Jet, la forteresse de Jet, où on devrait pouvoir récupérer des trucs pour améliorer la voiture. Et donc, on va arrêter là, je pense, l'épisode, parce que on en a quand même pas mal fait, on a fini le tutoriel. Et dans le prochain, on se dirigera lentement vers Jet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur le terrain que j'aimerais bien vous montrer. Voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dans les chutes, s'il te plaît. Merci. Donc, je disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la partager la vidéo, n'oubliez pas, c'est très important, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.